Eh bien bonsoir, bonsoir à tous mes amis youtubeurs, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo qui va s'appeler The One Life. Et je suis en compagnie de Frugilix. Salut tout le monde. Qui va vous expliquer un peu quel est le but de cette nouvelle aventure The One Life. Enfin cette nouvelle aventure, mais aussi une nouvelle aventure qui aura peut-être plusieurs séries. Je te laisse expliquer. Alors, le but est tout simple, voilà quoi. J'ai quand même eu du mal à l'expliquer à mon cher Yuri. Ouais, c'est pas ma faute, hein. J'ai la tête dans le cul. Le but, c'est de... En fait, c'est une aventure hardcore, en fait. Mais vraiment, pas simplifiée du tout, en fait. C'est vraiment dur. Donc, on va déjà avancer vers là-bas, parce qu'il faut de là. Ouais, donc, pendant que tu expliques, on va avancer. Ouais. Oui, donc, fais gaffe à pas perdre des cœurs. Donc, ouais, ouais. On peut pas perdre des cœurs, parce que, même si on a la bouffe à fond. Complet... Ouais, complet. Eh ben la vie ne remonte pas. Le plus simple c'est de manger une pomme d'or. Ou alors c'est de traîner dans le Nether et pour prendre les verrues du Nether. Faire des potions. Des potions d'ailes, un truc comme ça, je sais plus. Je pense que sur cette île juste ici à ma. Enfin c'est même pas une île. Franchement en fait on s'est fait popper carrément là. Je sais pas pourquoi. Ouais, on n'avait pas fort. Enfin, Yuri n'avait pas fort envie de. De refaire une map où on voilà. Serait bien à plat. Non, ça va, il y a du cochon. C'est déjà ça. Par contre, dans cette aventure, on va essayer de se trouver un petit village PNJ ou vif. J'ai pas envie de construire une maison. Non, t'inquiète pas, on va. Putain, y a pas d'arbre. Elle me dit pas qu'il y a pas d'arbre. Non, mais y a un cochon. Ah non, ça va, y en a. Oui, y en a plein. Y a plein de cochons. Écoute, tue les cochons, je vais chercher des arbres. Enfin, oui, mais les cochons, les tuer à la main, elles sont dures. Ouais c'est vrai, mais on reviendra après de toute façon. On reviendra après, on sait qu'ils sont dans le dos. Hop, de toute façon on va pas s'installer, ça c'est sûr on va pas s'installer. Parce que, on va pas s'installer quelque part parce que bon. Oui donc les gens si vous voyez que j'ai du mal à réagir aussi c'est parce qu'en fait je me suis abîmé c'est un truc dans l'œil. en fait j'ai un gros et énorme pansement au niveau de l'œil droit. Donc j'ai plus de visibilité du côté droit. Donc ne vous étonnez pas si jamais je vois pas très bien. Donc ça, en fait c'est un pirate là. Ouais, je suis pirate. Bon par contre pas pirate des Caraïbes. Bon j'espère que ça va me looter une pomme. Désolé si vous avez entendu le bruit Facebook. Ah j'ai rien entendu moi. Ouais toi non mais... Enfin moi, mon avis mon... Ah, j'ai eu une pomme. J'ai déjà eu une pomme. Moi je casse les branches. J'ai flippé parce que j'ai vu mon écran devenir tout rouge. Je me suis dit wow. What the fuck. Oh ça va, toi tu le vois pas en noir et blanc. Oui, c'est ce que je vois les gens, c'est ce que je vois. Ah je le sens mal. Bon ça va. Oh une pomme. Attends, moi je vais faire un petit abri déjà, direct. Il y a des champignons. Ah ouais, la pomme ne la mange pas. Ah mince. J'ai quasiment plus de vie. Non, je déconne. Parce qu'on en a vraiment, mais vraiment, mais vraiment. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser cet arc là et je vais cueillir les champignons qu'il y a dans le fond. Des champignons. C'est bizarre, normalement, il doit pas y avoir des champignons de ce côté-ci. Je sais pas. Bon, par contre, moi, ce que je vais faire, c'est que déjà faire un établi. Y en a un tout près. T'en as un ? Ouais, j'en ai fait un. Ouais, parce que je vais faire une épée à l'étui du cochon. Ouais. Parce que ça ferait compte perte des cœurs. Par contre, je retiens que j'ai coupé cet arc là et cet arc là. Ou alors, d'abord, je me fais une pioche. Hop là. Tu t'es fait une pioche? T'as pris de la pierre? Ouais, j'ai 18. Ah ouais, vas-y, fais-moi une épée ainsi. Et une pioche en pierre. Ok. Je vais faire deux épées. Pour attends, il y a un truc rouge là-bas. Tiens, elle est juste devant. En plus, le pire, c'est que je vois pas bien de l'œil gauche déjà. Elle est devant moi. Ah, je l'ai. Et je vois un truc rouge là-bas, je crois que c'est des fleurs, je suis pas sûr. Oui, parce qu'en plus, j'ai un problème avec l'œil gauche, je ne vois pas bien. Je suis compliqué, hein, moi, les gens. Merci. Hop là, alors. Bon, tu veux bien courir, oui. Par contre, quand vous jouez beaucoup à Garry's Mod, vous perdez l'habitude de. Voilà, ouais. Il connaissait mon point faible, il partait sur la droite. Quels enfoirés. Espèce d'enfoiré.
et prendre la tonne de Ah, bois. c'est quoi cet arbre-là? C'est des nouveaux bois de la 1.7. Ouais. Je vais pas les étudier maintenant, je les étudierai quand j'aurai mes 2 yeux. Bon, désolé d'avance si je tousse souvent, mais comme j'ai dit sur ma chaîne, ma dernière vidéo, je suis malade, donc le rhume est passé, donc ça va. Je suis moins enrhumé en fait. Toujours un petit peu le nez bouché, mais ça s'entend au moins, enfin je crois. Mais c'est plutôt ma toux qui ne descend pas, j'ai super mal la tête. Mais bon, voilà. Des moutons, j'ai tué. Ouais. Par contre, c'est vrai, j'ai super mal la tête là, fou. En jouant. Je suis quand même dans un bel endroit, je trouve, là. Ah bon? Ah, attends, y a un désert là. Ah non, 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 c'était un petit. Non, c'est une grosse cascade. Enfin, pas une grosse cascade. Bah, je suis à un bel endroit. Je sais même pas pourquoi je suis parti, en fait. Je sais même pas d'où je viens. Ah, et il y a une sorte de désert, ou alors c'est la nouvelle. Parce que je sais qu'il y avait des nouveaux bazars. Bon, je reviens vers les bois. En fait, moi je suis parti du côté où il y avait les cochons. Enfin, où il y avait bien sûr les cochons. Maintenant il y en a plus. J'ai 21 viandes, ça devrait me suffire. Oh. Je mange parce qu'en fait il me reste plus qu'une barre de bouffe. Moi là je prends la tonne de bois. Ah, vas-y, prends du bois, prends du bois. Eh oui, je vois l'arc que j'ai coupé. Je reviens. Putain, comment j'ai fait là? Bien fait, je tombe de haut. En fait, je marche tout droit, d'un coup, je me retrouve au-dessus d'un arbre. Oui, logique Minecraft. Donc oui, on recommence une nouvelle aventure, mais on n'abandonne pas la Square and Furious. Non, on l'abandonne pas. Non. C'est juste que. À tourner toujours les mêmes épisodes, enfin. Voilà, et puis on a déjà fait. Enfin, en fait, ce qu'on sort là, enfin, ce que Yuri sort, parce que moi, je suis vraiment en retard en fait. Ah, ben encore, j'ai encore C'est une vrai que pomme. je suis encore en avance. Oui, en fait, j'ai Ouais. coupé des arbres et ils sont en train de tomber en miettes. Moi, j'ai coupé une branche, une pomme est venue sur moi. Ouais. Je sais pas où tu es par contre. Je suis en train de couper des arbres. Par contre, j'ai énormément. Comment j'ai fait? J'ai sauté 2 blocs. Bon, actuellement, là, j'ai un stack et 15 de bois, en fait. Moi, là, je vais planter des arbres. Ah bah ben ouais. Parce que, ouais, parce que vaut mieux qu'on ait une ressource de bois tout près pour les pommes. Par contre, je ne sais pas si c'est moi ou quoi, mais je vois des points bleus partout sur mon écran. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est le jeu? C'est sûrement le texture pack. C'est quand même bizarre parce qu'on n'a même plus besoin de MC Patcher. Donc je sais. Non, non, c'est tous des points bleus sur une ligne, donc je me demande si c'est peut-être pas mon œil. Ah peut-être que ouais. Je sais pas. T'as mal à l'œil, génial. Maintenant, t'as les hallucinations qui vont avec. Bon, T'as par pris des contre. champignons toi, J'ai pris des champis, tant pis. Bon, par de contre, l'hallucinogène. là où t'as creusé, moi j'ai continué à creuser, essayer de trouver un peu de charbon. Ouais, vas-y. Ah ouais, parce que c'est presque la nuit en fait. Ouais, en fait, je pense que tu vas. On va s'occuper un peu de faire un petit abri provisoire, bien sûr. Donc vraiment faire gaffe, faut pas oublier qu'on est en hardcore et qu'on perd nos cœurs direct, hein. Ça c'est sûr et certain. Bon, c'est bien parce que vous avez vu les gens, le serveur il bug pas du tout, hein. C'est Oh, j'ai eu un petit coup de lag au début quand je l'ai mis, mais sinon en soi ouais, ça mais ça passait. c'est génération. Hop, j'ai plus de de dash. Si vous vous demandez pourquoi est-ce que je creuse aussi long, je sais même pas moi-même. Hop là. Ah, je crois que je suis tombé dans une grotte. Ah non, C'est bon. je suis à l'extérieur. Ouais. Ce serait bien que tu tombes dans une grotte. Ah, bah encore une pomme là-bas. Ah bah deux pommes, hein, nickel. La chance est avec nous, on dirait les gens. Donc là on peut déjà se faire 4 pommes d'or, hein, mais il nous faut de l'or, voilà. De l'or, toujours de l'or. Ah ben 5 pommes. Et moi je vais vous dire une chose, jouer avec 2 yeux et avec un œil, c'est impossible. En fait, ce que je viens de dire n'était totalement pas français, je le sais, mais bon.
que je veux dire, c'est que on n'a pas les mêmes reliefs avec un œil qu'avec deux yeux. Il fait nuit? Non, il fait pas nuit. Enfin, il va pas tarder. Je prends Ah ouais, ça. du flint. Ah ouais, donc on prévoit d'aller dans le Nether. De toute façon, t'as pas le choix, tu dois y aller dans les heures. Ah bah ouais, puisque... Ouais, quand même. Ce serait peut-être mieux pour... comment? Pour la... Oh. Pour... Voilà. T'as de la terre? T'en mets deux là, je vais faire une porte. Voilà. Bon, ma touche shift elle est où? Parce que bien sûr avec un œil je la vois pas. Ah, j'ai mal. Moi j'ai mal partout, moi par contre. J'ai mal la tête. Hop hop hop. Voilà. Ah merde, on en a encore, ils peuvent casser les portes. Ah ouais, là ouais. Faut faire une porte en fer. T'as du fer? Non. Moi non plus. On verra. Oh, Normalement s'ils nous voient pas à travers, ils disent rien. de toute façon là, je crois qu'on va les miner, hein. On doit se faire la tonne d'or, hein. Ça c'est Bon, moi sûr. je fais un coffre. Hop, bah, c'est déjà fait, il y a déjà un coffre. Hop, un four. Ça change tout là. Hop, je prends quand même quelques... Est-ce que t'as des bûches? Ouais, dans le coffre, il y en a plein. Ça, merci. Des bûches, voilà. Suis con. Je vais faire un peu de charbon pour aller miner. Je fais n'importe quoi, moi. Oh, tu sais quoi? Juste par mesure de précaution. Voilà. Bon, par contre, j'ai 4 laines. Par contre, j'ai pas lancé de chronomètre. Ouais, moi non plus. Ouais, on va compter encore 10 minutes. Je sais pas si tu sais vite mettre ton chronomètre. Bon, je sais, mais loin de moi. Alors, ça sera moi. Bon, par contre, faire un code avec son GSM avec un œil. C'est impossible, les gens. Par contre, désolé les gens d'avance si vous voyez rien, mais je saurais pas à faire mieux. Voilà, j'ai Oh, y a lancé un du compte à rebours. fer. Oh, y a du fer. Hop, je vais faire des torches déjà. Tac, 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 voilà. Oui, bien sûr, Yuri. Ma touche shift. Oui, parce que quand vous appuyez sur shift, je sais pas si vous le savez, mais ça vous fait toute votre torche d'un coup. Ma vie le savent. Hein. Oui, mais tu sais, moi avant je le savais pas, hein. Je passais mon temps comme un PO. Donc, hop. Tac, je mets de la lampe. Mettre la lampe. Que maintenant, avec toutes les vidéos Minecraft que les youtubeurs mettent, merci pour mes abonnés. Tiens, attrape. C'est quoi? Ah, merci. Je vais aller en faire en fait, parce que j'en ai fait plein. Enfin, j'ai fait chauffer beaucoup de bûches pour faire du charbon. Ouais, donc je confirme, c'est bien mon œil. Parce que ça suit partout, n'importe où je regarde. Ah non, je sais c'est quoi. C'est mes guirlandes. Ah ouais, peut-être. Non, mais c'est ça, je regarde, puis Ah, après, charbon. je bouge ma tête dans tous les sens, je me dis, ah, ça change, je me retourne, ah oui, c'est les guirlandes. Saleté. Oui, parce qu'il faut savoir que je m'éclaire avec des guirlandes. Pour pas allumer mon. Y a pas de moyen de se payer la lampe chez lui dans sa chambre, donc. Si j'ai mes moyens, c'est juste que j'ai la flemme d'aller de me lever, donc ici, tu vois, j'ai qu'à brancher. Peut-être que pour partir à l'exploration, je vais peut-être mettre chauffer un peu de. Arrêter de chauffer du charbon. Je vais mettre chauffer toute la viande. Avec le bois, bien sûr, comme un pauvre PO que je suis. Ainsi, pendant que ça chauffe, on va encore descendre un peu. Et j'ai miné à l'opposé de toi. L'autre sens. Par contre, je suis tombé sur un bon filon de charbon. Hein. Et ouais, le charbon arrive toujours quand on en a besoin. Ah, j'entends la lave en plus.
J'entends la lave, sauf qu'il faut que je monte mon son plus fort. Moi je suis pas le poisson, j'ai essayé de régler au maximum pour qu'on n'ait pas trop de problèmes. Merde. Oh, pioche à casser. Ouais, bon, j'irai en faire une après. Enfin, si tu remontes en faire une, fais-en-moi une plutôt. Ça va. Ça va bien. Tiens, je te jure, le charbon, il est rare ici. Même le fer, j'en trouve pas. Il est rare, j'en ai 40. Alors tape-le dans le four à la place du bois que j'ai mis. Ben, j'ai plus de pioche. Voilà. T'en as fait deux? Non, pas encore. Alors, Je carbure. Je serai arrivé en haut avant que tu aies fini. Voilà, il t'attend. Non! J'ai pas fait la mienne. Ouh, tcha tcha tcha. Je suis derrière toi. Hein. Ah oui. Tiens. Hop, et je vais. T'as pas faim? Si. Très très fort. Tiens, attends. Hop. Oh, merci. Putain, ça en rend de la vie, ça. Donc, surtout, mange pas les pommes. Mais... C'est notre... Non, tu ne sais pas manger, je viens d'aller voir. Je viens d'aller voir s'ils étaient encore là. Ah, du charbon. Ah oui, c'est moi. Non, je suis de l'autre côté, à moi. Ah, c'est de ton côté. Ouais, j'ai creusé à l'opposé de toi, mais je suis tombé sur un gros filon aussi. Mais je ne creuse pas en dessous de mes pieds, moi. Je ne creuserai jamais en dessous de mes pieds. Vous demandez pourquoi? Parce que des fois, ça peut faire une longue chute. Et périlleuse. Vous dites au revoir à votre famille, vous dites au revoir à tout. Voilà, et moi, comme un con, je creuse juste au-dessus de moi. Je n'écoute même pas Yuri. Comment j'ai creusé au-dessus de ma tête? Qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait du gravier. La mort la plus stupide au monde. Ouais. Mais bon. Hop, je vais rentrer en terre inconnue. Hop, un peu de lumière. Putain. Regarde-moi, tu vois, je creuse au-dessus de moi, mais je me décale d'un bloc. Pourquoi est-ce qu'il y a de la terre aussi profond? C'est bien un truc que je me demande. Là, bon. Voilà, c'était une petite un petit truc que j'ai voulu faire. Donc je fais ça pour pas se cogner la tête tout le temps en descendant. Parce que c'est chiant. Bon, on peut se cogner la tête chez moi. J'ai la flemme d'user ma pioche pour ça. C'est une mine, hein. Tu vas pas mettre non plus des escaliers. Bah, je serais capable, hein, moi. Je suis capable de tout. Ah, ça gratte. Mais bon, on est quand même dans une aventure. Voilà, hardcore. Comme ça, donc. Non. Désolé, les gens, vous voyez sûrement plus rien. Hop, on va mettre une petite torche. Bon, je tourne vers la droite, ouais, je tourne un peu parce que sinon. Enfin, je peux même pas me dire à quel coup je suis. J'ai pas envie d'utiliser ça. Bon, hop, minage optimisé, allez. Ouais, c'est ce qui marche le mieux, de toute façon. Bah, je suis descendu assez profond, en fait, je crois. Moi, par contre. Donc, merde. Là, tu vois, je vais creuser en ligne droite. Donc, moi, au 12. Donc, à Y quand il sera au 12, enfin vous me comprenez je crois, et eh ben tout simplement je ferai une ligne droite pour trouver bah, du diams. Ouais, donc toi tu te sers du H3 quoi. Ouais, sympa. Bof, y a rien de tricheur là dedans.
Moi, je creuse en ligne droite, je trouve même pas du fer, quoi. Ah, par contre, il y a une grotte pas loin. Ah, moi, je trouve du fer. Ça. J'ai entendu Zombar. Ah, ça, c'est bon signe. Je l'ai trouvé. Ça, c'est très, très bon signe. Donc voilà. Bon, alors je vous explique les gens. J'ai trouvé un vieux. J'ai une belle grotte. C'est une belle grosse crevasse. Tu glisses, tu tombes, tu meurs. Aventure finie. Ah donc ouais les gens. C'est même pas donc dire... si quelqu'un meurt de nous deux meurt. L'aventure est finie. Parce que ça sert à rien de continuer si notre partenaire est mort. Profond. T'as pas creusé profond. C'est avec moi. Et je crois que j'ai perdu. Là. Oui, attends deux secondes. Allô? Ah merde, tu m'entends? Pioche. Tu m'entends ou pas? C'est pas grave, j'ai du bois sur mon façon. Frigé? C'est pas. Aïe. Frigé, les. Par contre, ouais, ça bug. Parfois, ouais, je te perds parfois. Ah, ben c'est en fait, c'est ton micro là, il est en train de faire du boucan à Rai. Et je vais te dire que ça va faire déjà 10 minutes. Non, je n'entends plus du tout. De quoi mon micro? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a mon micro? Ah, mais j'avoue que la crevasse c'est un petit peu. Voilà, c'est bon. Je te ré. Enfin, voilà. Tu m'as? C'est la allô, fin. Allô? Tu m'entends? Frigie? Wesh, belles gens, bah c'est la fin de l'épisode, on la fera sans Frigie, j'espère que lui va la faire sans moi, parce qu'on s'est complètement perdu. Donc je vous dis à tous, bye bye.